Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon narratif sur Skyrim. Alors avant de commencer, comme c'est la première vidéo du mois, j'aimerais comme d'habitude remercier Metipper, Duanrefication, Equilibrium et Litender d'Olnemore parce que, ben voilà, vous faites des dons tous les mois depuis super longtemps pour certains. Litender, je crois que ça fait plus d'un an. Donc, merci à tous. Grâce à vos dons ce mois-ci, j'ai pu payer des dettes. Effectivement, je devais un paquet de fric à la mafia sicilienne. Parce que, voilà, j'ai acheté du rhum de contrebande qui provenait d'aliens qui voulaient envahir bord de ciel. Donc, voilà, grâce à vous, grâce à vos dons, bah, j'ai pu payer mes dettes. Et maintenant, je ne risque plus d'avoir des chats crevés cloués sur la porte de mon entrée. Donc, merci à vous. Et les chats vous remercient aussi. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Skyrim. Bon visionnage. Ah oui, non, avant, j'ai oublié de vous dire, La tombola dont je vous ai parlé il y a deux semaines, je pense, elle est toujours en cours. Alors si vous voulez faire une bonne action, participer à une belle œuvre et en même temps pouvoir éventuellement gagner un de mes bouquins ou un des autres nombreux lots qu'il y a à gagner, le lien se situe toujours en description de ma vidéo. Allez, bon visionnage. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des Narrateurs. Le lendemain de la bataille, je rentre à Vendôme, et il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle à Ulfric. Blancherive a été incendiée, certains bâtiments sont écroulés, et une bonne partie de ses habitants ont été tués. Tout ça, pour la bonne cause évidemment. Je le croise alors qu'il sort de la salle de guerre. Il est satisfait de l'issue de la bataille. En même temps, un chef de guerre ne pleure pas pour une victoire, aussi triste soit-elle. Je dois maintenant me rendre à Épervine, j'y retrouverai Galmar, il a une mission à me confier. Encore une ville où j'ai aidé les gens, où je suis devenu Tan. Encore une ville qu'on va incendier. Heureusement, je savais où chercher le camp secret des Sombrages. On était passé juste à côté avec Barbas, le chien de Vilclavicus. Et effectivement, Galmar a une mission pour moi. Directement à Fort Néograd. Il espère que je m'y introduise discrètement, que je libère des hommes prisonniers, et que je prenne le fort de l'intérieur. Mais oui, bien sûr, besoin d'une mission furtive, envoyez le gros nordique barbu avec ses peintures de guerre et sa hache à deux mains, il fera l'affaire. Après tout, c'est vrai que la discrétion, ça a toujours très bien marché avec moi. Bon, il faut que je trouve les éclaireurs. Ils auront peut-être un plan pour me faire entrer. Enfin, Fort Néograd n'est pas très loin, mais je préfère prendre mon cheval, ça ira plus vite. Il serait temps que je lui trouve un nom d'ailleurs. Après, l'avantage, si je mène à bien cette mission, même si c'est pas dans mes cordes, c'est que si on a pris Fort Néograd, on n'aura pas besoin d'assiéger la ville. Je retrouve assez vite les éclaireurs, il suffit que j'aille leur parler. Et j'espère qu'ils ont un bon plan. Apparemment, il y aurait une grotte sous le lac, et ils pensent qu'elle débouche peut-être dans la prison. Après bon, je le préviens quand même que la furtivité, c'est pas mon truc. J'ai foi en vous. Ah, donc c'est ça ta réponse. Je te dis que je suis pas fait pour cette mission, mais... Bah écoute, si t'as foi en moi, tant pis, hein. C'est toi le stratège, hein. Et le fort est juste là, au bout de cette route. Je vais pas trop m'en approcher. Je vais essayer d'escalader la montagne et voir si je peux atteindre le lac en le contournant. Saleté de mission furtive à la con. Je suis venu faire la guerre et on me demande d'aller escalader des montagnes glissantes pleines de neige. Bon, je finis par abandonner l'idée de l'escalade. Il va falloir que je passe près du fort sur la route. Je sais pas encore comment je vais faire. Bon, je vais juste longer la montagne en espérant que les sentinelles me voient pas. J'ai pas spécialement de meilleur plan pour le moment. Heureusement, la nuit et la neige sont de mon côté et les sentinelles n'y voient que du feu. Et j'arrive finalement à atteindre le lac. Et ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est que tout ça ne va servir à rien. Passer furtivement près d'un fort, devoir plonger dans de l'eau glacée et finalement atteindre une caverne qui se trouve sous la surface de l'eau. Tout ça pour finalement retourner les voir et leur dire non, mais la caverne, elle débouche pas du tout dans la prison. Non mais sans rire, c'est un fort, s'il y avait vraiment un moyen aussi facile de s'introduire dedans, ça ferait longtemps qu'ils auraient colmaté la brèche. Et puis même, je suis censé croire que cette grotte débouche comme par hasard juste dans la prison, là où n'importe quel prisonnier aura qu'à crocheter sa serrure et puis sortir par la grotte. Non mais ça c'est vraiment n'importe quoi. Ah ben merde alors, c'est effectivement exactement ça qui se passe. Ces crétins d'Imperium ont même pas pensé à mettre une seule sentinelle pour garder le trou qui mène de l'extérieur direct à la prison. Ah bah si en fait, il y avait une sentinelle. Eh ben heureusement qu'elle était là, hein. Bon allez, je libère tout le monde. On va attaquer le fort de l'intérieur et ça fera une bonne diversion pour que les troupes de Galmar puissent assiéger les murs. Et les gars vont récupérer leur équipement qui est évidemment dans un coffre juste à côté des cellules. Et ça y est, on est prêt. La discrétion, c'est enfin terminé. Et ça y est, on est dehors. Pour le moment, les gardes n'ont encore rien remarqué. Ils vont pas nous voir venir, ces cons. C'est bon, on est repéré. C'est enfin la fin de cette histoire de discrétion. On charge!
Je verse le premier sang d'un coup de hache à deux mains, j'ai déjà plusieurs flèches plantées dans mon armure, mais je tiendrai debout. Mes compagnons avancent en formation militaire, arc à la main, et moi, je charge avec ma hache. Il y a des archers sur les murs, et j'en jette un au bas de la muraille. Son crâne s'écrase sur le sol gelé de bord de ciel, et je vois Ralof et les autres qui arrivent. La cour n'était pas plus défendue que ça, et maintenant que tout le monde est là, on va pouvoir rentrer à l'intérieur et s'occuper de ce qui reste des gardes. On entre à l'intérieur et on se sépare, ils n'ont toujours pas remarqué notre présence. On avance dans les couloirs en tuant tous ceux qui se présentent à nous. Ils nous ont pas vu venir, c'est trop tard pour eux maintenant pour organiser une défense. Ils finissent par me tendre une embuscade au détour d'un couloir. Cette fois-ci, ça y est, ils nous ont repérés, ils savent qu'on est là. Seul contre quatre, je garde mes distances, mais j'en ai pas un de ma hache alors que les renforts arrivent. Et une fois dans l'entrebâillement de la porte, ils ne peuvent plus m'encercler et je les abats un à un. Finalement, il n'en reste qu'un. Désolé mon gars, c'était pas un exercice d'alerte. T'aurais mieux fait de te lever et de te barrer quand t'as entendu le premier coup d'épée. Je retourne voir Ralof. Cette mission a été une réussite et cette fois, il n'y aura eu aucune victime civile. On a réussi, on a pris le fort et avec ça, Ulfric va pouvoir imposer la puissance militaire des sombrages sur toute la châtellerie d'Epervin. Je n'ai plus qu'à récupérer mon cheval et aller faire mon rapport à Ulfric. Cette fois-ci, c'est le cœur léger que je quitte le champ de bataille. On a réussi à entrer discrètement, ça s'est passé vite et sans bavure, avec le moins de victimes possible. Et surtout, il n'y a pas eu de ville incendiée. Ulfric est évidemment ravi par la nouvelle. Les troupes sombrages avancent vite, elles sont implacables, et l'Empire ne parvient pas à les retenir. Mais la guerre est encore loin d'être terminée. Cette fois, il m'envoie à la crevasse. C'est une région assez lointaine, où je ne suis encore jamais allé, donc je ne la connais pas. Il paraît que c'est dangereux. Les rebelles parjurent font la loi sur les routes, dès qu'on sort des villes. Mais bon, en fait, compte, ce sont des brigands comme les autres. J'ai pas plus de raison d'avoir peur d'eux que de n'importe qui. C'est ici que tout a commencé, en fait. Lorsqu'Ulfric Sombrage a accepté d'aider le Jarl Rolfsdir à reprendre Markarth au parjure. Autrefois, la crevasse était indépendante. Aujourd'hui, elle est à nouveau une châtellerie de bord de ciel. Le problème, c'est qu'Ulfric a aidé Rolfsdir en échange de la réhabilitation du culte de Talos. Rolfsdir a tenu parole, l'Empire a accepté de réhabiliter Talos, mais lorsque le domaine Aldmeri s'en est mêlé, ils ont à nouveau interdit qu'on prie le plus grand des neufs. C'est cet incident de Markarth qui a conduit Ulfric et plusieurs autres Jarls à se lever contre l'Empire. Une rébellion contre un Empire faible est tellement soumis au domaine Aldmeri qu'il ne peut même pas tenir ses propres promesses. Bon, me voilà arrivé au camp de la crevasse. Il est temps de prendre mes ordres. D'après Galmar, le chambellan du Jarl, un certain Raerek, serait un adorateur de Talos. Une position délicate, surtout quand on est dans le camp de l'Empire et du domaine Aldmeri. Si je pouvais pénétrer dans ses appartements et trouver une preuve de sa foi illégale, on pourrait peut-être le persuader de nous donner quelques informations et peut-être même de rejoindre notre camp. Eh bien voilà, encore une mission furtive. Quelle bonne idée, vous savez à quel point j'adore ça. Par contre, je vais pas entrer à Markarth pousser un notable à devenir espion pour nous en portant mon uniforme de sombrage. Je mets une armure d'acier et on y va. Markarth n'était pas très loin. Par contre, cette ville est vraiment impressionnante depuis l'extérieur. On dit qu'elle a été construite sur les ruines d'une ancienne forteresse d'Eumer. Et si les pierres pouvaient parler, c'est ce qu'on dit toujours, mais... Je pense qu'aucune pierre au monde n'aurait des choses aussi intéressantes à dire que celles qui composent la ville de Markarth. Bon, par contre, une fois à l'intérieur, c'est plus la même chose, hein. Parler de neuf, mais comment on fait pour s'y retrouver dans une ville pareille? Il est où le château? Je vais d'escalier en ruelle et de ruelle en escalier, mais pas moyen de trouver mon chemin. Bon, je crois que j'ai trouvé la forge. Il y a un escalier à gauche et un escalier à droite. Bon ben, on va essayer celui de droite. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé l'entrée. Purement par hasard et après de longues minutes de recherche, on y est. J'en reviens quand même pas que ce soit encore à moi qu'on demande de réaliser des missions discrètes, comme si j'étais fait pour ça. Je monte l'escalier, normalement les appartements sont juste là à droite. Et il y a une patrouille du domaine Aldmeri. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Et aux dernières nouvelles, ils avaient mis ma tête à prix après que j'ai sauvé le fils Gristoison. Et d'un coup, la discrétion n'est plus un impératif de mission, mais un impératif de survie. Alors je vais essayer de pas me faire voir et de pas me faire tuer. Tu, je ne suis personne, juste un humble guerrier nordique qui regarde les fleurs, voilà, rien de plus, vous pouvez passer sans faire attention à moi, d'ailleurs moi je ne fais pas attention à vous parce que je n'ai rien à me reprocher. Putain, dernière fois que j'accepte une mission pareille. Enfin, ils m'ont pas vu, il est temps pour moi d'entrer dans les appartements, mais il y a des gardes en patrouille à tous les coins. Bon, celui-là n'a pas l'air de faire attention à moi et... Ah, non, je pense qu'il vaut mieux que je parte. Je suis pas là, je suis personne, je suis perdu, ça arrive à Markarth, faites pas attention. Du coup, je m'assieds sur une chaise, il paraît que ça aide à passer inaperçu, je sais pas pourquoi. Et le garde vient de partir, c'est mon heure. Et cette fois-ci, je vais faire beaucoup plus attention. Si ce gars me voit une deuxième fois, il va pas juste me prévenir, il va directement m'attaquer. Il est juste là, à côté de la porte, il va falloir attendre qu'il s'en aille. Et voilà, il passe à la suite de sa ronde, et moi, j'ai le champ libre.
Et un crochetage plus tard, parce que c'est connu que c'est la spécialité des mecs qui se baladent en armure lourde avec une hache à deux mains, la porte s'ouvre. Et tiens, voilà une petite amulette de Talos gravée du nom de Raerek, si ça c'est pas une preuve. Je n'ai plus qu'à quitter ces quartiers et aller voir ce qu'il a à en dire. À mon avis, la conversation qui s'annonce va être intéressante. Et le voilà aussi mal à l'aise que ce à quoi je m'attendais. Par contre, il veut pas qu'on en parle ici. Il préférerait que je le suive jusqu'à ces quartiers. Bon, je n'y vais pas par quatre chemins, le temps de la diplomatie est terminé, je le menace directement de tout rendre public. Le risque serait grand pour lui, il n'échapperait pas à la prison. Alors il me livre directement toutes les informations que je voudrais. Il me parle d'une importante cargaison de vivres et d'armes pour Fort Garde-Sol. Si on pouvait arrêter ce ravitaillement, ça nous donnerait certainement un avantage dans la bataille qui se prépare pour le contrôle de la crevasse. Parfait, je lui rends son amulette et je m'en vais, il n'y a plus qu'à aller informer Galmar. Évidemment, l'occasion est trop belle et Galmar saute dessus. On va organiser une embuscade et attaquer directement le convoi. L'avantage, c'est que cette fois-ci, ça n'aura rien d'une mission de discrétion. Ensuite, vous infiltrerez leur position et détournerez leur... C'est une putain de plaisanterie! Donc je suis censé m'infiltrer dans le camp pendant que eux, ils me couvrent avec leurs arcs depuis les hauteurs. Et je fais comment, moi, pour m'infiltrer là, en pleine journée, alors qu'il y a des patrouilles partout? Vous savez quoi? Merde! Je sais qu'un soldat, ça obéit aux ordres, mais... Merde! Pas besoin de s'infiltrer, une bonne vieille embuscade à l'ancienne. On se met tous sur les hauteurs et on commence à décocher nos flèches. Je suis peut-être pas un bon archer, mais c'est toujours mieux que de devoir s'infiltrer discrètement. Malheureusement, ils parviennent à se mettre hors de portée et ils commencent à nous contourner vers la droite. Enfin, je dis malheureusement, c'est pas vrai, ça va me permettre d'enfin me lancer au corps à corps. Pourquoi s'infiltrer alors que des coups de hache à deux mains dans tous les sens, ça va plus vite? Ralof est content en tout cas, il va rester là s'occuper du chargement. Quant à moi, je suis renvoyé au camp pour faire mon rapport à Galmar. Mais je sais déjà que la prochaine bataille, ce sera Fort Garde-Sol. On va les laisser mijoter quelques jours sans leur vivre, et quand ils seront bien affaiblis, nous frapperons. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas d'aller jeter un œil au site de mon partenaire. Einvoren, dessin geek et pyrogravure, n'oubliez pas aussi d'aller participer à la tombola de l'association Remember Me France en description. N'oubliez pas que vous pouvez venir me retrouver sur mon Discord, mais également sur celui de la guilde des narrateurs. Vous pouvez également me soutenir personnellement en allant acheter mes livres sur Amazon, en devenant l'un de mes tipeurs, et également en souscrivant à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas également que si vous voulez acheter des jeux vidéo, vous pouvez le faire en utilisant mon lien d'affiliation Instant Gaming. Ça ne me rapporte rien, mais ça me permettra d'avoir des bons de réduction pour les achats de mes prochains jeux pour les Let's Play narratifs. N'oubliez pas non plus de soutenir la chaîne avec le petit pouce levé, en laissant un commentaire, même pour dire juste un mot rigolo, comme pachyderme ou barbu ou pachyderme barbu. Ou encore en partageant cette vidéo ou les autres si elles vous ont plu. Et en attendant, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Vous pouvez aussi retrouver une autre de mes séries narratives juste là. Et le vaisseau de Quintine peut s'envoler pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine pour le prochain épisode de XCOM. Salut à tous.